Petite mairesse. Qu'est-ce que tu veux? Petite propriétaire, tu sais, s'il y a une personne qui peut être ton amie, ça doit être moi, cette personne. Toi? Oui, bien sûr. Tu sais, je suis tellement loyale que je peux bien garder des secrets. Ok, oh. Tu sais que ma pauvre mère était tombée sous ses pièges? Toute chose est dans le passé, non? Et maintenant, je suis une bonne personne. C'est ce que Satan aussi va dire si on lui demande. Hein? Et tu es en train de dire que moi, Aimé reçu une flatteuse? C'est ce que tu as dit. Bon, moi, j'ai peur à l'intérieur. Alors, tu peux te rejouer autant que tu voudras. Ah, petite propriétaire, tu me laisses ici? Petite propriétaire. Ah! Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Pas l'année prochaine. Je ne partirai pas l'année prochaine. Tu dois chercher un pour que tu m'en donnes, que j'apparaisse aussi pour toi. Ne t'avais-je pas dit? Serait difficile à obtenir. Ma chère, je n'ai jamais été intimidée de la sorte. Tu aurais dû voir l'impunité. Essayez un peu d'attendre que, quand nous viennent, qu'il parle au bailleur avant de passer à d'autres tables. Ma chère, je prie que nous ayons une bonne nouvelle. Parce que si on se débarrasse de cette fille, nous aurons la paix toutes les deux. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Ne t'en fais pas. Je ne m'inquiète pas. Ne t'en fais je pas. Je te crois. Allons-y. Allons-y. Tout ira pour le mieux. J'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Peux-tu imaginer? Cette chose a eu le courage de jeter mes vêtements sans aucun remords. Tu étais même chanceuse pour qu'elle te jette juste de l'eau. Moi, ce qui m'énerve de plus, c'est lorsqu'elle bombe sa poitrine et elle marche comme ça. Tu connais le pire? Elle ne me salue plus. Oui, j'ai l'impression que cette fille va nous mater. Donc, c'est moi que tu appelles ainsi? Je vous ai bien entendu. Petite maïresse, regarde la beauté. Nous t'aimons beaucoup.
Vous êtes vraiment de commère. Hein? Que savez-vous encore faire? Si ce n'est que faire les commérages. Commérer par-ci, par-là. Que savez-vous encore faire? N'importe quoi. Laissez-moi vous dire, même si vous les faites aujourd'hui jusqu'à demain, vous ne pourrez jamais me taper, n'est-ce pas? Pouvez-vous? Ah, petite propriétaire, c'est déjà... Excusez-moi. Est-ce que cette fille est normale? S'il te plaît, écoute-moi d'abord. Je n'ai jamais été d'accord avec cette fille. Cette fille. C'est quoi ça? Elle se prend pour qui? Qui est-elle? Écoute, je vais tuer son... Je vais tuer son frère et elle ne va plus jamais. Elle saura que moi, je suis éveillée. Moi, la diablesse éveillée. Elle le saura. Elle va le voir. Qui est-elle? Chut, on pourrait nous en... Ça en est assez. Je qui est-elle? Bon. Dans c'est ce village, il verra. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai personne à qui supplier. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'oncles. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Ne me dites pas de passer demain. Je ne sais quoi faire. Je vous en prie. Eh oh, eh. Oluchi, je suis vraiment désolé à propos de ton papa. Mais je suis vraiment bourré dans ce que je fais présentement. Présentement, il n'y a rien que je puisse faire qui puisse t'aider. S'il te plaît, je suis désolé. S'il est possible que tu puisses essayer ailleurs. Hmm? Oluchi, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé, ok? Mais je ne peux absolument pas te venir en aide. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je pourrais, mais si seulement tu es prêt à payer le prix. Quel prix? Mais tu sais, non? Tu vois ce que je veux dire. Tu comprends, non? Aïe! Oluchi! N'ose plus faire cette bêtise. Tu m'as giflé? Mon Dieu! Mon Dieu! Oluchi! Mon Dieu! Mon Dieu! Mes chers, je refuse d'être intimidé par cette femme minuscule. Pas maintenant. Non. Encore moins, jamais dans ma vie. Jamais, jamais. Débarrassons-nous d'elle avant qu'elle nous accuse. Comment allons-nous la combattre? Comment? Du moment où tous nous lui devons de l'argent, comment? Hein? Si vous accepterez ma suggestion aussi, si vous l'accepterez, alors... demandons-lui seulement pardon pour qu'elle puisse nous alléger la tâche. Non! Moi, Mazekano, je ne peux jamais me rabaisser jusqu'à ce niveau. Il en est hors de question. Jamais. Je n'ai besoin de personne. Livrez-moi Eberi. Mais le jour où je vais la rencontrer, elle va regretter. Je me jetterai sur elle. Croyez-moi. Et quand tu parles, tu crois que c'est facile.
Laisse-moi te dire que ces hommes-là sont très intelligents, très intelligents. Et si seulement elle a grandi entre ses mains et on lui aurait jeté un sort. Mais sachez qu'elle a grandi en étant intelligente, pas suffisamment intelligente. Non, elle n'est pas suffisamment intelligente. Hein? Et quand un enfant pense qu'elle a suffisamment grandi et qu'elle se mettait à chercher à découvrir qui a tué son père, doit savoir que ce qui a tué son père va définitivement la tuer. Bam. Tu vois? Bam. Et sachez qu'elle nous a tous déclaré la guerre. Oui. Et sachez qu'elle va rencontrer cette guerre. Elle va la rencontrer. Nous sommes ici. Cette fille. Si seulement nous lui préparons de la nourriture, elle sera capable de prendre ça. Parce que si elle fait de même pour nous, nous aussi nous allons mordre à la maison. Nous les ferons pour elle. Nous allons préparer quelque chose pour elle. Nous les ferons. Ma petite propriétaire. Hey! Hey, ma merveilleuse Baïresse. Je te vois là avec une assiette. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Baïresse, c'est une très bonne chose. J'ai trouvé un mec en train de préparer cette bonne nourriture pour te rendre heureuse. Je sais que tu vas aimer. Ma Baïresse capable. Merci énormément. J'ai apprécié. Si tu as besoin d'une aide, je vais t'appeler. Oui, appelle-moi. Tu peux partir. Prends ceci. Tu les mets dans sa nourriture. D'un coup, elle va mourir. Tu es sûr que si je le mets, elle va mourir? Oui. Elle va mourir? Oui. Ok. Laisse-moi d'abord regarder. Waouh, j'aime ça. Merci. Ok. Régis-toi un peu. Ouais. Ma Baïresse capable. Ma petite Baïresse. Ah, régis-toi, ok? Ok. A-t-elle pris cette nourriture? Ma chère, je n'ai jamais pris l'un avec elle de la sorte. Ce n'était pas facile, mais on a parlé. Hey! À très bientôt. Nous allons vraiment danser, tu vois ça? Mon ami, Top 5. Tu sais, je suis impatiente de voir les cadavres de cette fille. Ma sœur, j'en ai marre. Tu es fatiguée. Je suis fatiguée. Alors moi, si je vois encore cette fille en... Oui, cette fille. Je pense que je vais pleurer. Oui. Hey, mon ami. Petite Baïresse. C'est comment?
Petite mairesse, mairesse. Vraiment. C'était pour te remercier pour le riz que tu m'as donné. C'était très délicieux. C'est gentil de ta part. Tu as aimé ça? Oui, j'aimerais que tu le prépares encore pour moi. Franchement, tu sais, j'ai bien dormi comme un bébé. Je suis heureuse que tu aies aimé ça. Oui. Non, maintenant même, maintenant. Écoute-moi, fais ça très très bon, comme ce que tu avais fait. Tu vois le biscuit que tu avais mis là au-dessus. S'il te plaît, n'oublie pas ça. Mets encore assez pour que ça soit très bon. Je te dis, ma chère, laisse-moi te dire, j'ai dormi comme un nouveau-né. J'attends que tu puisses encore préparer pour moi, non? J'ai beaucoup aimé, je te dis. Tu vois, il a aimé ça, je suis triste. Écoute, je vais préparer pour toi, Enoch. Prépare une grande quantité, je te dis. Je vais tout manger. Tu as aimé la nourriture. Je te dis, tu petite sais. Marée. J'attends, j'ai très très faim. J'ai encore envie de manger ça. Okay. C'est très bon. Hey, en tout cas, ma chérie, je t'aime bien. Vas-tu boire ça? Voyons maintenant qui peut la sauver. Oh non, elle le peut. C'est déjà une semaine depuis que j'ai appelé ma sœur. Son téléphone est toujours éteint et je ne sais pas. Hein? Pourquoi n'es-tu pas allé la chercher? Ah! Rentrer encore dans cette parcelle? Vu ce qui s'est passé ces jours-là, cela m'a poussé à haïr tout le monde. C'était ma sœur qui était la première de me stopper, sinon. Je devrais être fou, non? Je devrais être fou et tabasser tout le monde en désordre dans cette parcelle-là. Même tous ceux qui parlaient là. Je devrais mal réagir. Mais c'était à cause de ma sœur que je m'étais tranquillisé. Mais tu sais quoi? Elle est ma sœur aînée. Alors, je devrais seulement l'écouter. Je te conseille d'aller lui rendre visite. Veux-tu que ta sœur meure? Sans effet. Okay, moi, bien. Ma sœur à moi. Ah, je ne crois pas au... Mais, bébé, je dois partir. C'est mieux. Je pars. Oui, avocat. Tu avais dit que tu vas arriver encore à quelle heure? Oh, ok. Je veux que tu viennes vite parce que cette parcelle est devenue très, très chaude. Tout le monde veut que je meure. C'est ça leur problème. Donc, il faut venir. Ça ne marchera pas. Je sais bien ce que je veux faire. La petite. Ok, pas de problème. Ok, je te rappellerai après. Je N'as-tu te salue. N'as-tu pas vu que j'ai causé? Désolé, oh. Désolé. La petite. Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi, t'es, je demande de t'asseoir. Je suis venu voir seulement ma soeur. Ça fait déjà une semaine, j'appelle son numéro, son téléphone est toujours éteint. Et alors, je me suis décidé de venir la chercher ici. Elle a déjà quitté ici.
Ah, depuis quand? Elles ont tout emmené. Elles ne sont plus ici. Est-ce que tu connais là où elle était allée? En fait, j'avais entendu que son futur mari lui avait demandé de déménager. Alors, peut-être qu'elle est en train de vivre avec lui, je ne sais pas. La petite fille! Je m'étais décidé de venir la chercher ici, comme ce numéro ne passe pas. Alors, c'est pourquoi je suis là. Elle ne vit plus ici. C'est bien. La petite fille. La petite fille. Ah oui. C'est bon, je suis rentrée. On se voit après. Reviens d'abord, s'il te plaît. Au cas où tu la vois, hein, dis-lui qu'elle peut venir aussi me rendre visite. Je me sens seule. Ok, ok, pas de problème. La petite fille. Au revoir. La petite fille. Ok, oh. Ceci devient vraiment sérieux. Très, très sérieux. Donc, tu veux dire que elle s'est très bien réveillée. Et ce, sans aucune complication. Donc, même pas de maux de tête. Rien. Hey, absolument rien ce matin. Et d'ailleurs, je savais qu'elle a quelque chose de très spécial. Je le savais. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit. Je savais qu'il y a quelque chose. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que bientôt, elle va rejoindre son père. Allô, Dila. Oui, j'en suis sûr. Merci, merci. Mais... Petite mairesse. Oui, oh, vous savez quoi, cette fois-ci, je ne mange plus seule. Nous allons manger ensemble. Ah non, ce n'est pas assez. À la prochaine, nous allons. Non, ne vous inquiétez pas. Vous savez que je ne mange pas beaucoup. Venez manger avec moi. Approchez-vous. Et je vais vous prendre les cuillères. Attendez-moi, j'arrive. Notre nourriture. Non, mangeons ensemble. Ce n'est pas un problème. Mais je... Les cuillères sont là. Petite Bayrette. On avait déjà mangé. Prenez, non. Venez avec moi. Maintenant, c'est ton tour, non? Oya, mangez, non? Venez manger avec moi. Hé, hey, petite Bayrette. Y a-t-il un problème? Non, ce n'est pas un problème. Je suis aussi sans blaguer. Mangeons ensemble comme une famille. Oui, allez, mangeons. Manger, non? Oui, nous allons manger. Y a-t-il un problème? Pour manger, non? Mangeons. Bon, moi je mange. Mangeons, non? Est-ce que vous allez bien? N'es-tu plus mon ami? Nous sommes amis. Mange, non? Mangeons ensemble. Ouais, moi je mange. Tu vois cette nourriture, hein? Quand je me parais ça. Mais venez manger avec moi, non? Ça, c'est un problème. Ah, joignez-vous à moi. C'est très délicieux. Petite virus. Il y a aussi la viande ici, non? C'est tellement bon cette nourriture, hein? J'ai beaucoup aimé. C'est tellement très bon. Est-ce ce poison qui fait assez que nous chions de la sorte? Cette fille. Oui, on nous encore. Papa, fais quelque chose. Fais vite. Faites vite, non? Mm.
Bien. Mes jeunes filles, restez calmes. Je vais vous aider. Ouvre ta bouche. Juste sois calme. Une fois arrivé à la maison, jetez-les par terre. Et ça va aller. Et toute chose ira mieux. Tu veux sûr que ça va nous aider? Oui, ça ira. Non, ne vous inquiétez de rien. Allez-y, faites ce que je vous ai dit. Non, c'est parti. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. C'est parti. Ok. Obugu gada. Ça, c'est incroyable. Non. Hey, ça, c'est vraiment une situation tragique. Ce n'est pas croyable. Deux fois. J'ai dit, deux fois déjà, j'ai essayé. La seconde fois, j'ai risqué de perdre ma propre vie. Hey! Attendez. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, vous essayez de me dire que vous, tel que vous êtes là, cette fille, je n'arrive même pas à savoir si c'est une fille ou c'est un esprit. Est-ce qu'elle est intouchable? Cette fille a quelque chose. Je suggère qu'on trouve un moyen pour lui parler afin de quitter cette maison. Avant que cela ne nous échappe des mains, j'ai exprimé ma pensée. Jamais! Elisa, cela ne se fera pas. Cette guerre n'a fait que commencer. Elle ne va pas la gagner, je vous dis. Je vous dis qu'elle n'arrivera pas à nous vaincre. Oui, nous allons le faire. Est-ce que j'ai les moyens pour payer beaucoup de millions? Et jamais. Regardez-la. Voir mes jambes. Hey. Allô? Allô, bon après-midi, monsieur. Je vais bien, monsieur. Je me suis sécurisée comme tu me l'avais demandé. Ok. Je le ferai. Merci énormément. Ok, bye bye. Donc tu veux rester là assise en attendant jusqu'à ce qu'on va te tuer? Ils ont déjà fait assez en tuant mon père. Mm-hmm. Alors qu'est-ce qu'ils veulent encore faire? C'est comme ça. Mm-hmm. Tu n'as qu'à faire, je veux dire faire très vite avant qu'ils ne viennent ici et te tuent. Tu sais bien que ces gens sont dangereux. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent. Laissez-les venir, je les attends tous. Es-tu sûre? Tout ce qu'ils veulent faire, je suis prête. Laisse-les venir, non? Ils peuvent venir. Crois-moi, je suis capable de tout faire. Es-tu sûre? Oui. Personne de ce nom ne peut te battre. Petite non. Baérès.
Toutefois, il s'agit bien de moi. C'est mon nom, je sais pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Wow. Alors, je vais me charger d'eux. T'inquiète, ma chérie. Ah oui, je te dis. Tu es sûre? Ok. Oui, entrez. Ah, waouh! Qu'est-ce qui vous a dit que tu as fait entrer sous le lit? Qui vous a alerté de ma présence ici? Je te pose une question. Qu'est-ce que tu as caché? Veux-tu blaguer avec mais moi? Tu parles de quoi? Peux-tu me le donner pour que je le prenne sous le lit? Ok. La grande bailleresse. Donne-moi, non? Oh! Tu veux manger la viande? Tu veux manger la viande? Mais tu me dois des millions de naira avec ta bouche. Je veux manger la viande. Non, mais... bailleresse, hein? Mais qu'est-ce que c'est que tout ceci, non? Hein? Je ne peux plus manger dans cette parcelle. Hein? Bayerès! Bayerès! Très cher voisin, pourquoi est-ce que tu es en train de marcher comme ça? J'espère que tout va bien. Tout ne va pas bien. Tout ne va pas du tout bien. C'est quoi le problème? Du moment où cette petite Bayerès... Elle est venue prendre la nourriture de ma maison. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle est encore venue chercher chez toi? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire? Hein, mon cher, dis-moi. Quand elle s'arroge le dos de pouvoir venir à la maison, et dis-moi, elle est venue à la maison, elle a pris tout ce que j'avais à manger. Donc tu insinues que elle est venue chez toi à la maison et elle a pris tout ce que tu pouvais avoir à manger. Dans ce que je suis en train de te raconter, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Hein? Non, mais pourquoi me moquer de toi? Mais d'abord, tu vas où d'abord? Partout où elle pourra me trouver, hein? Partout. Partout elle pourra te trouver. Alors que moi, je suis en train de chercher quelque chose pour manger. Alors, je te vois aller prochainement. Bonne chance. Ouais, merci. Rien de mal ne m'arrivera. Je n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que tu es en train de rire. Nous sommes des amis, mais toi, tu es en train de moquer de moi. Alors, elle est aussi venue vers toi pour sa nourriture. Mais honnêtement, je vais la tuer. Je jure, au nom de Dieu, je vais la tuer. Calme-toi, mon cher. Calme-toi. Je te jure que je vais la tuer. Je te jure. Je te jure, mon cher. Je jure, au nom de Dieu, je vais la tuer. Attends. Ne deviens pas fou. Ne deviens pas fou. Sois calme. Mes voisins, nous avons échoué. J'ai vraiment honte de moi-même. Et je pense que tous nous devons avoir honte de nous-mêmes. Nous avons tous échoué. Nous avons échoué face à cette petite bailleresse. J'ai maintenant un plan, un bon plan. Alors dis-nous, c'est quoi ton propre plan? Voilà. Il faut parler comme ça, on va comprendre. Bientôt. Et très bientôt, elle va disparaître. Alors, dis-nous, c'est quoi le plan, non? Et si ton plan échouait à nouveau, vous doutez de moi? On verra. Ok. Des bandits? Yeah.
Écoute, écoute très bien, attentivement d'ailleurs. Écoute, un mot de plus, tu es mort. Est-ce que tu as compris? Qui êtes-vous? Écoute très bien, demander qui nous sommes n'est pas important. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ah, mais comment est-ce que tu sais que nous voulons te tuer, hein? Comment est-ce que je le sais? Ne me tuez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Écoute, je vous promets, je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin. S'il vous plaît, ne me tuez pas, pardon. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une promesse? Oui, dépose ce truc, s'il te plaît. Arrête d'abord, c'est tout ça, laisse ça. Ok. Tu vas nous donner la moitié de tes propriétés. C'est tout ce dont on a besoin. Oui, c'est ce dont on a besoin. Ok, calmez-vous. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas de problème. Hein? Oui. Si c'est Père qui vous a demandé de me tuer, vous allez faire pour moi quelque chose. Parce que eux tous dans la parcelle me doivent de l'argent. Ils doivent à mon défunt père. Et ils veulent me montrer le mal. Alors, savez-vous ce que vous allez faire? Vous allez commencer par Paulinus. C'est lui que je veux. C'est lui mon centre de problème. Je veux que vous puissiez le kidnapper pour moi. Kidnapper pour moi. Petite Bayerès. Chez nous, kidnapper les gens n'est pas un problème. Présente-nous juste les intérêts et puis nous les ferons. C'est même la raison pour laquelle nous disons que lorsque quelqu'un a de l'argent, nous faisons tout pour lui. Nous les faisons d'ailleurs sans problème. Et ça n'arrive pas à vous comprendre. Sans problème d'ailleurs. Tel que tu te retrouves là, tu n'as même pas besoin de te mettre à appeler des gens parce que personne n'aurait été libéré ici. Est-ce que tu nous comprends? Nous sommes les rois, nous contrôlons tout ce coin. Quand tu n'as qu'à faire notre volonté, surtout en ce qui concerne cette propriété et tout l'argent que tu dois à la pailleresse, n'essaye même pas de tergiverser. Il faut aller tout droit au but parce que ta vie est entre nos mains. Est-ce que tu comprends? Nous avons le pouvoir sur ta vie ainsi que ta mort. Il est important que tu te mettes à nous obéir. Est-ce que tu comprends toutes ces choses que nous sommes en train de te dire? Fais juste notre volonté, tu seras simplement libéré. Alors je vous en supplie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne me tuez pas. Je sais très bien qu'on vous a envoyé pour me kidnapper. Je vous promets quelque chose, si seulement vous pouvez me permettre de m'en aller. Je vous promets que je ferai pour vous quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai un terrain dans le village, je peux vous le donner. Oui, je peux vous le donner. Seulement vous pouvez me laisser m'en aller, s'il vous plaît. On ne blague pas ici. Tu vois comme? Je suis pas en train de m'aventurier, s'il vous plaît. Une portion de terre? Oui. Portion de terre? C'est combien d'hectares? C'est juste 2 hectares, oui. Ce n'est que 2 hectares, s'il vous plaît. Prenez-les, s'il vous plaît. Juste pour que vous me laissiez m'en aller. Je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Attaquant! Boss, tu trouves comment? Si tu essaies de nous tromper, c'est là que viendra le problème. Mais pour le moment, et tout se passera bien, non? Laissons-le partir. Va-t'en. Et toi, là, je compte jusqu'à 2, Ferme tes yeux. Je t'ai dit de demander de fermer les yeux. Ferme les yeux. Et tu vas fuir si c'est moi, je compte jusqu'à 2. Est-ce que tu as compris, Ferme tes yeux. Allez, 1, 2. Allez, va-t'en. Je crois que j'étais l'avocat de son père pendant plusieurs années. Même avant que le père abandonne, clairement, je me rappelle de m'avoir dit de prendre soin d'elle. Et alors, je ne peux jamais abandonner jusqu'à l'accomplissement de la parole. J'avoue que, oui, vous avez un complot de tuer Okechukwu. Et je suis sûr. Et alors, comme vos complots sont dévoilés,
pour couvrir cela. Mais une seule chose que je vais vous dire, c'est donner à tout le monde dans cette parcelle 3 semaines. Oui, j'ai dit 3 semaines. Après 3 semaines, j'espère que vous n'accepterez pas ce que je ferai. Ou soit, vous irez en prison. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.